Yo les gars, c'est ici, on se trouve pour une nouvelle petite vidéo sur Fortnite chapitre 1. Alors, d'abord, pour jouer au jeu, vous devez aller sur Fortnite normal, tu vois, le vrai jeu, et vous devez aller dans code de l'île, et vous devez mettre ce code-là. Attendez, où est-ce qu'il est? Celui-là. D'accord? Donc, je vous le remontre, au cas où vous n'avez pas vu. Attends, mais je crois que vous pouvez pas voir. Ah si, c'est bon. Donc, le code, c'est 21 79 78 22 33 95. Donc, en attendant, c'est en bêta. Y a marqué je sais pas où. Enfin, en tout cas, c'est en bêta. Et puis j'ai mis la qualité au maximum, donc je vais peut-être laguer, mais j'ai mis tous mes paramètres en épique pour que justement on ait un beau jeu. J'ai mis des petits skins du chapitre 1 pour être dans le thème. Et c'est parti, on n'oublie pas le code créateur Ensio dans la boutique Fortnite, ça fait très plaisir. Et puis sur ce, let's go. Ok les gars, donc là je suis dans le lobby, et je crois que si vous êtes en mode performance ou que vos paramètres ils sont mal mis. Et que vous n'êtes pas assez haut, vous verrez pas le lobby très bien. Moi, tout à l'heure, je le voyais en quadrillage. Et donc là, on a l'ancien lobby. Bon, je me souviens pas. Dans mes souvenirs, c'était pas vraiment comme ça. Hein. Non, c'était pas comme ça. Enfin, à moins que le chapitre 1 était exactement comme ça. Mais dans mes souvenirs, c'était pas totalement pareil. C'est-à-dire que là, il y avait des trucs ici, je crois. Je sais plus ce qu'il y avait, mais au milieu, là. Et là, il y avait un bus. L'hangar, il était pas si gros que ça, je crois. Il n'y avait pas tout ça là-dedans. Je crois qu'il n'y avait pas beaucoup d'étagères. Bon, là, il y a un petit bug de texture. Il n'y a pas de mur. Enfin, c'était pas exactement comme ça dans mes souvenirs. Mais bon, on va dire que c'est mieux que rien. Mais bon, c'est pas le truc le mieux fait du monde. En tout cas, il y a l'ancienne musique, ça fait plaisir. Oula. Ok, bêta, non, non, non. J'ai une pioche bizarre de base. On a l'endroit des conteneurs, pareil, il ressemblait pas à ça. À moins que la saison 1 c'était vraiment comme ça, mais en tout cas, moi dans mes souvenirs, il y avait beaucoup plus de palettes un peu partout. Et c'était pas aussi vide en fait. Genre, je sais pas. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais je trouve que c'est vide en fait. Même là au milieu, il n'y a rien du tout. Et le bus, il était là en fait. Il était pas là-bas. Enfin bref, peut-être que je me trompe et je confonds avec le chapitre 1, enfin avec d'autres saisons. Mais en tout cas, voilà. Déjà, on peut courir et ça, c'est pas cool. Je sais pas pourquoi on peut courir. Il y avait pas de course dans le chapitre 1. Là-bas, c'est à peu près pareil. Là-bas, c'était pas comme ça non plus. Là, ici, je crois que c'est pas mal. Par contre, comment on fait pour commencer le jeu? Ça, je suis pas très au courant. Est-ce qu'il faut aller dans le bus? Est-ce qu'il y a un truc dans les paramètres? Voilà, je vous retrouve quand on est dans le truc. Je viens de voir un truc, les gars. Regardez, on peut escalader. Regardez. Bon, là, c'est un peu buggé. Mais vous voyez qu'on peut escalader. Donc c'est pas cool. Parce que dans le chapitre 1, il n'y avait pas d'escalade. Mais bon, c'est pas grave. Oula, j'ai failli monter. Très bizarre, les gars. Très très bizarre. Bon, les gars, je suis mort dans le spawn de la tempête. C'est vraiment n'importe quoi. Je vais relancer au cas où, mais bon. Ça me fait un petit peu chier. Je suis désolé, mais bon. Oh, les gars. Ça fait au moins vraiment 5 fois. 5 fois que je relance la map et j'ai enfin réussi à être dans le bus. C'est trop cool. Je sais pas ce qui se passe, je peux pas bouger. Oula, ça m'a fait sauter tout seul, ok. Oh, ça fait trop du bien, enfin je peux jouer. Ok. La map a l'air pas trop mal. Peut-être que des fois je me trompe et que je dis non, ça c'était pas comme ça, etc. Mais en fait c'est peut-être parce que des fois je me rappelle plus exactement. Mais bon, en tout cas, on n'est pas trop mal. Stylé, stylé. C'est trop stylé. Donc les gars, si jamais vous êtes dans la tempête, je crois que c'est un bug et relancez tout de suite la map. J'ai été 10 fois dans la tempête, faut relancer la map direct. Et si vous voyez pas les textures, il faut que vous mettiez des paramètres plus élevés. Ça va beaucoup bugger, mais bon, vous n'avez pas trop le choix. Je sais même pas par où je me dirige en fait. Ah, il y a déjà la zone. Ça par contre, c'est un bug. Normalement, je crois pas que dans la saison 1, il y avait la zone directe. Oh, j'aurais dû aller à Lucky Landing. Oh, les maisons de fou.
Oh, je me rappelle de tout, c'est une dinguerie. Attends, par contre, faut pas aller à retail pour le premier. Je veux pas aller à retail pour la première game. Je vais aller là-bas. Les vrais, ils se rappellent avec TK et tout. Et le bouseux. Ouah, c'est une dinguerie. Attendez, j'ai envie de faire des tests. Est-ce qu'on peut glisser? Non. Est-ce qu'on peut courir? Ah oui. Ah mais ça c'est un bug je crois. On peut escalader aussi, c'est bizarre. Oh mais c'est bugué là. Bon les gars, c'est un petit peu bugué mais bon. Ah mais on peut build à l'infini? Ah ouais. Bah y a le turbo build et tout. Bah ça aussi c'est nul, il n'y avait pas au chapitre 1. C'est dommage parce que c'est superbe, tu vois la map et tout. Mais c'est pas pareil quoi. Mais bon, un jour les gars, on pourra vraiment jouer au chapitre 1. Pour l'instant, tu vois les coffres, ils sont bien, ils ressemblent à ça. Ah, par contre, ils s'ouvrent un peu lentement. Oula, c'est quoi cette merde? Oula, il y a des problèmes les gars. Oula. Trop bizarre, genre j'ai l'impression d'avoir des cristals arc-en-ciel alors que ça n'existe pas ça. Ouais, donc pour le coup il y a vraiment des problèmes. Ok, il y a des anciennes armes. Bon le viseur je crois pas qu'il était comme ça. Je suis vraiment difficile, je suis désolé. Mais moi j'aime bien quand c'est bien fait. Et là c'est vraiment mal fait. Déjà j'ai même pas la pioche que j'ai de base, j'avais mis la faucheuse. En plus c'est buggé, je cours comme un gogol. Les viseurs ils sont mal faits. Il y a le turbo build. Les tempêtes, elles sont déjà là. Les voitures, elles spawnent pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là-bas, le truc, il est à l'envers. Enfin, c'est mal fait. Et je sais que c'est une bêta, mais bon. Ça me fait un peu chier. Après, par contre, les textures, elles ressemblent exactement, je crois. Donc ça, c'est très bien. Tu vois, c'est les mêmes textures qu'à l'époque. Mais bon, il y a encore des choses à changer, quoi. Genre, Théma, c'est quoi ça? C'est... Oula, bah ça pareil, il n'y avait pas ça. Ah, sauf si je me trompe, mais il n'y avait pas de discothèque. Putain, je me rappelle comme si c'était hier, alors que c'était il y a quand même 3-4 ans. Ça, pour dire qu'on est matrixé quand même. Enfin bref, il y a trop de trucs qui vont pas, mais bon. Ok, l'air, il y a les fumigènes. Est-ce qu'ils sont comme à l'époque? Ah, pour le coup, ils sont vraiment pareils qu'à l'époque. Peut-être un peu trop fumeux, si tu vois ce que je veux dire. La gourde du brave, ok. 15 secondes. Ah, c'est pas les mêmes écritures, mais bon. Pas grave. Je sais pas, en fait, je sais pas tout ce qu'ils peuvent changer. C'est ça le problème. Est-ce qu'ils peuvent vraiment tout modifier le jeu? Ou il y a des choses qu'ils peuvent pas? Par exemple, même le menu des kills en bas à gauche, il est pas comme ça. La barre d'inventaire, etc., c'est pas comme ça. La carte en haut à droite, c'est pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais pas s'ils peuvent modifier. Parce que c'est pas vraiment un Fortnite 2.0. On est sur le Fortnite normal. Sauf que bah dans le Fortnite normal, on a un mode créatif. Et en fait ça c'est juste un créatif 2.0. C'est pas Fortnite 2. Donc c'est pas parfait. On va voir les feux de camp. Si je dis pas de bêtises, on peut pas allumer les feux de camp dans la saison 1. Donc si on peut l'allumer, c'est une fraude. Ok bah parfait. Bah c'est exactement les feux de camp de la saison 1. Là pour le coup ils ont géré, donc c'est bien. Est-ce que les builds ils donnent autant qu'à l'époque? Ah je sais pas. J'ai l'impression qu'à l'époque ça donnait beaucoup plus. Là il n'y a pas le coffre. Ok. Ah je suis mitigé en fait. C'est bien mais... Il y a des trucs qui vont pas quoi. C'est les mêmes bruits? Ouais, les bruits ont l'air pas mal. Ah, je suis désolé les gars, je suis indulgent. Ah non, je suis pas indulgent, plutôt. Oh! Alors ça, oh là, il y a la tempête. Ça, je dis oui les gars. Je sais pas si vous avez vu, l'ancien sniper, ça fait très longtemps que je l'avais pas vu celui-là. Donc ça, je suis content. La tempête, elle va un peu vite à mon goût. Ah, la map, elle se charge un petit peu à droite. Ah là-bas il y a la... Non c'est l'usine c'est ça. Il y a un mec en plus. Putain c'est rigolo. Dommage que ça soit un petit peu mal fait mais bon. Les arbres ils bougent un peu trop. C'est pas censé bouger. Le petit Dusty Divo dans le dépôt.
Le fort de poche, je crois pas qu'il était là la saison 1, les gars. Fort de poche, saison 1, je suis pas sûr. Stylé. Oula, le mec il a construit un petit peu vite, si vous voyez ce que je veux dire. Dans la saison 1, ils auraient pas construit aussi vite, les mecs. Ah, l'élimination, elle ressemble à l'époque, mais c'est pas exactement la même, je crois. On peut ping des objets? Bah, à l'époque, je crois qu'on pouvait pas ping des objets. Même cette roue-là, elle n'existait pas. Donc, tu vois, y a plein de petits trucs qui vont pas. C'est dommage. Ah, l'ancienne... Oh! Dinguerie. L'ancien pompe. La PM. Bon, la PM, on l'a déjà revue. Le petit chasseur qui fait plaisir. C'est stylé, mais bon. Je suis. Oula, oula. Oh, attention. À l'époque, on construisait pas aussi vite. Je sais. Mais moi, je respecte un peu. J'ai pas construit des trucs de ouf. Allez, la petite gourde. Bon, le mec en haut de moi, il a l'air de trop construire. On construisait pas autant à l'époque. Il a un peu construit beaucoup, je trouve. Tu vois, à l'époque, on faisait comme ça, tu vois. Petite box. Mais bon. Aïe, aïe, aïe. Les gens, ils sont pas RP. Roleplay, ça veut dire. Ah, bon, je parle plus, mais oh, ça fait trop longtemps que j'avais pas vu cette arme. Ça, c'est incroyable. Ouais, elle était un peu longue, cette truc. Ok, y a quoi là-dedans? Je crois que les murs ils se cassaient plus lentement. En attendant, je vois pas de gros bullfight. Donc ça va en vrai. Les gens ils ont l'air de respecter un peu. Bon, là-bas ça build un peu quand même, mais bon. On peut pas leur en vouloir. Ah si si, ça bullfight là. Il y avait pas ça à l'époque. Les gens ils abusent frère, c'est une dinguerie. Putain. C'est bon. C'est cool. Oh, il y a la chaise. Non mais c'est buggé, ça me casse les couilles. Attendez, je vais faire un plan, comme à l'époque. Non, je voulais faire un plan lance-roquette. Comme à l'époque. Je voulais faire lance-roquette comme à l'époque, les gars, mais bon. Le mec, il voulait pas, je crois. Hop. Attends, le double pompe. Je vais tester. Ah, y a pas. Déjà, un truc claqué, déjà, y a pas le double pompe. Et le mec, il voulait me bullfight. Bon, j'ai build aussi un petit peu vite, mais j'ai pas fait de 90, etc. Donc ça va, je respecte un peu. Aïe, aïe, aïe. Bon, il n'y aura pas de montage dans cette vidéo parce que c'est chill, les gars.
Et puis ça me fait un peu chier en fait. J'espère que vous me comprenez. Genre déjà frère, je cours comme un gogol. L'interface elle est pas bien faite. En fait, le seul truc bien c'est la map. Ça je peux pas leur en vouloir. Et encore, il y a 2-3 défauts, mais bon. Ils ont fait de leur mieux. Mais le seul point positif c'est la map, tu vois, elle est vraiment bien faite, les textures elles sont bien faites. Mais à part ça, franchement, enfin tout le reste c'est nul. Et c'est triste en fait. Après c'est que en bêta, etc. Mais bon. C'est triste. Un jour on pourra rejouer au vrai Fortnite. Imaginez Fortnite, ils sortent un jeu entier qui s'appelle Fortnite Saison 1. Et on peut vraiment jouer à la Saison 1. Mais officiel par Fortnite. Parce que là c'est une map. Donc c'est claqué. Mais bon. Regarde, le mec il build comme un ouf. Il n'y avait pas ça à l'époque. Ouais, voilà. Et en plus, les interfaces ils sont mal faites. Bon, bah, les gars, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Moi, j'ai pas du tout aimé. En plus, le mec il danse. Bon, ça, c'est comme à l'époque. Allez, ciao!